Ici, nous avons donc la salle de conférence. C'était vraiment nécessaire qu'on ait une nouvelle bâtisse parce que l'équipe n'arrêtait pas de s'agrandir. Donc, Stéphanie Vallée est allée chercher beaucoup, beaucoup, beaucoup de sous pour la radio. Donc, on a nommé la salle commune à son nom pour lui rendre hommage. Je passe mes après-midi ici à produire les publicités. Ça, là, c'est le bonheur parfait pour moi. C'est comme ça que je fais mes pubs, dans un esprit zen et calme, et ça donne des productions assez le fun, merci. On appelle les gens, on donne des cadeaux, on n'est pas vraiment forcé. On fait vraiment, en tout cas, le métier qu'on a comme animateur, animatrice, on fait pas mal ce qu'on veut, ce qu'on désire. Oui. C'est vrai. Ouais, c'est vrai, tu sais, on est... Puis vous rendez le monde heureux. On rend les gens heureux, on est des compagnons. Il y a des gens qui sont tout seuls à la maison. Donc, voulez-vous des cadeaux? On est des amis, tu sais. C'est ça. Chaque animateur, on a une tranche d'heure d'à peu près entre 2h et 3h à tous les jours, mais on fait une journée complète, genre 7h pour préparation de nos émissions, rencontrer, faire des entrevues, pré-enregistrement, faire de la publicité, montage, toutes sortes de choses. Ça fait que ça, on vient combler notre 7 heures. Des fois, on a passé, des fois, on a trop. C'est un 35 heures semaine. C'est ça. Nos émissions, on est en direct, je te dirais, jusqu'à 18 heures. Oui, c'est ça. Après ça, il y a beaucoup d'émissions qui sont pré-enregistrées pour diverses raisons.